Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce potentiel dernier épisode sur Unravel. J'espère que ça va pour vous. Moi ça va plutôt pas mal. C'est un sentiment assez étrange de finir Unravel, enfin si on est au dernier, hein, parce que ce jeu m'a pas trop marqué. Je dirais que c'est plus la période à laquelle j'ai fait ce let's play qui m'aura marqué. Mais le jeu en soi est, j'allais dire, oubliable, mais presque. Parce que niveau histoire, j'ai rien compris. Peut-être que tout va s'éclaircir dans ce dernier épisode qui a l'air de se dérouler dans un cimetière. Dernière feuille. Sommes-nous à l'automne sur le palier de l'hiver ou complètement en hiver? Bon, je pense qu'on a la réponse actuellement. Alors. Et je continue sur ma lancée pour approfondir ce que je disais dans les épisodes précédents. Comme quoi, parfois, il serait bon d'avoir, je sais pas, une voix, un narrateur peut-être pour nous accompagner. J'ai peur que ce dernier chapitre soit, entre guillemets, lent. Au contraire de cette façon de décéder. Bon alors. Il m'a compris qu'il fallait s'occuper de ce truc-là. Mais je ne peux pas... Ah ouais. Je sais pas trop ce que je dois faire avec. Je peux escalader, certes. Ah, il faut que je l'emmène avec moi. Et du coup, là, je suis protégé. Pas trop compris là-dessus. C'est marrant, aujourd'hui je suis en short, du coup j'ai le reflet de mes jambes dans l'écran quand je perds. Ça me fait marrer. Alors je vois pas de moyen de me cacher quand il y a une bourrasque. Ah d'accord. Ah, ça me permet de pas m'envoler. Ouais. Je perçois le truc. Bon bah y a quelqu'un qui est décédé apparemment, je sais pas si c'est notre créatrice ou notre créateur, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas mal cet effet de neige, un petit peu d'aliasing, mais en soi j'ai connu pire, on va rester attaché. Mais le vent est de plus en plus fort là, dites-moi. Et là, je me demande comment je vais m'envoler. Cet effet de particules de neige, là, de flocons, est vraiment très propre. Hein. Alors. Si je m'accroche là, est-ce que je pourrais? Le truc, c'est... Ah, peut-être que j'aurais pu faire un nœud avec la lanterne. Je ne sais pas. Ah oui, bah ça change tout. Et du coup? Non, pas toi. Ah non. Ça ne marche pas du tout. Soit le vent est trop fort, soit j'ai pas compris. Bon, ça c'est fait. Je vais la garder comme ça sans m'attacher pour autant. Puisque ça ne m'a pas sauvé là, dernier mourage. Ah là, je m'envole plus. Bah tiens donc. Non, pas toi. Oh putain. Niveau timing, c'est assez chaud. Attendez. Ouais, c'est bon, j'ai mon micro d'allumer. J'ai eu peur, genre ça fait à peu près 5 minutes qu'il parle tout seul, le gars. Bon, ce serait pas la première fois, mais... Mais quand même. Allez. Je peux l'emmener avec moi partout, je pense. D'ailleurs, je pense que ça va être la boucle de gameplay, si on peut dire.
Vu que on a appris qu'il y avait possibilité d'escalader, c'est ce qu'on va faire tout de suite, dès à présent maintenant. Ah! Fuck! Oh fuck, mate! Je la garde, hein. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Ah mais il a froid, mon petit personnage. Je connais toujours pas son nom. Je sais pas si les créateurs lui en ont donné un. Ça fait un peu de peine, mais... Mais pas trop à la fois. Qu'est-ce que c'est en plus? J'arrive pas à voir ce que j'ai accroché. Est-ce que c'est une branche ou... Ok. Mystérieux tout de même. Je vois pas ce que c'est. Ça va être trop chiant parce que à chaque fois qu'il y a un passage de timing, vu que je suis un peu trop précautionneux, je vais tout le temps revenir en arrière exprès. Là, ça va être limite au niveau du temps. Quoi? Ah, en fait, c'est dès que ma lumière s'éteint. C'est poétique. Bon, bah, je l'emmène avec moi de toute façon. Pourquoi m'embêter là? Ah, elle peut pas aller plus loin. Ah ouais, putain, ça me ramène. Je sais pas trop. Ça passe pas là? Bah si, ça passe. Ah, c'est parce qu'on est en pente alors. Ah ouais, non mais le vent, t'abuses un peu, frère. Mais je sais pas si j'en ai encore besoin du coup. Pas du tout ce que je fais, moi. Et là, je peux pas mourir. Vu que je suis accroché. Par contre, je suis en train de faire n'importe quoi, je m'en rends compte. Parce que... C'est pas à ça que je voulais m'accrocher. C'est ma petite lanterne, en fait, que je voulais ramener. Parce qu'en fait, j'ai compris. Oh putain, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais non! Oh, j'aurais pas le temps. Non, mais toujours plus loin, quoi. C'est à la fois malin, mais chiant. Mais quoi? Mais je l'ai attaché, non? Ah non, je l'ai détaché. Et donc, je fais ça? Et moi, je suis attaché ou pas? En fait, c'est difficile de se rendre compte de ce que je fais avec des objets au premier plan. Genre là, je vois ce que je fais, évidemment, je suis attaché, mais ça peut prendre des plombes, hein. Je pense que je ferai un peu de montage là-dessus parce que... Oh, oh putain. C'est la lumière qui me guide. Et la musique me fout les boules. Et là... Oh putain. Non! Oh non! Bah non! Mais non! Mais putain! Qu'est-ce que je dois faire, gros? Just explain me. What the fuck, dude? Ah là là, ça fait plus de 2 minutes que je suis sur cette énigme là et ça commence vraiment à me saouler, t'as vu? Bon bah on va le refaire parce que je me suis attaché au mauvais truc, j'ai perdu v'là le temps.
truc que j'aurais aimé. Ouais, ça me fait revenir loin quand même. Mais quoi? Mais j'ai pas compris là. Je suis encore attaché? Je vois rien, les feuillages là, sans feuilles. Ah, c'est. D'accord. C'est toi qui vas t'attacher. Oh là là, c'est d'une lourdeur. Ouais, en plus, quand j'étais dans le menu en train de lancer le jeu, je me suis dit, putain, c'est vrai que EA, ils ont pas soigné leur menu. Je trouve ça un peu bizarre. Genre le menu d'écran d'accueil, on va dire. Et ben, voilà, c'est soigné, mais ça a la signature de EA de faire des passages bien chiants. Je trouve que c'est typical leur truc. Genre là, je suis attaché. Pourquoi je perds plus de fil que prévu? Attends, je vais aller voir ce qui se passe. Et là, je m'envole pas. Ah, mais ça se trouve, j'ai plus besoin de la lumière. C'est quoi qui me manque? C'est la longueur ou... Ah! Je peux me déplacer qu'en sautillant. Marion sautillard. Bon là, ils vont me refaire le coup du vent, c'est ça? J'ai check. Ça a l'air d'aller. J'ai peur de décrocher et que d'un coup ça... Allez, on le tente. Mais il veut pas monter plus. Je sais pas si c'est normal ou... C'est peut-être moi qui suis dingue. J'en ai peut-être plus besoin, mais alors le jeu fait moi un signe quoi. Je comprends pas gros. Mettez-moi genre un petit indice ou des choses, mais... Donc là, il n'y a pas de nœud. Bon. Très bien. Là, on y est. Au moins, j'ai glitché un peu. J'ai plus les courants d'air. Mais alors, maintenant... Aucune idée. Là, ça passe. Peut-être avec un petit peu d'élan, t'as vu? Long. Bon. Si je fais ça. Quoi? Mais ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique. Vraiment, pourquoi le portail se ferme alors que le vent va de droite à gauche? Et là, on va se taper une descente de ouf. C'est pas très marrant. J'aurais tendance à me dire que je me fais chier. Mais respect les créateurs. Et là, on meurt. Parce que c'est trop lourd. Ah là là. Là, ce poids. Ah! Clairement, il y a un souci. Mais sauvons pas aussi loin. Si? Oh, bah là, on est mort. Gros. L'eau, elle doit faire moins 40. Donc, j'ai peut-être plus besoin de ma lanterne. Jusqu'ici, ça se passe bien. Je sais pas s'il y a un moment où je risque de couler. Quoi? Mais le jeu!
Le jeu, je sais que tu m'aimes pas, mais... On pourrait coopérer au moins, genre pour la dernière vidéo, quoi. Histoire que je sois pas ridicule. Voilà, et là, je suis là. Et là. Je pense qu'il y a une question de timing. Genre là, est-ce que je m'enfonce? Ok. J'aime pas cette partie, hein. Je vous l'annonce direct. Comprends rien. Mais au moins on s'en est sorti. Pour l'instant. Ah! Quoi? Oh, je déteste ça. En fait, il y a un problème à la fois de luminosité et de mise en valeur des éléments utilisables à l'écran. Parce que déjà avec tous les petits flocons qui tombent, tu vois, je vois pas grand chose. Et oui, c'est un moment émotion parce qu'on est en train de galérer, mais moi je suis juste en train de me plaindre en fait. Bah ben, on n'est pas sorti, hein. Si à chaque fois on recule de 5 cm là. Mais là c'est fichu parce que s'il y a un coup de vent. Ah, je crains plus le vent. I am at my limit. Pourquoi tu te casses la tronche? Ah quoi? Il a pété sa ficelle? Mais déjà? Mais il est super court le niveau. Oh, tu l'as, tu l'as? Hein? Oh non. Eh bien, on a été apporté dans ce sac à dos. Peut-être qu'il y a une bobine infinie et qu'on pourrait l'emporter avec nous, mais... Oh, j'ai encore le cœur. C'est beau, ça. Wow! What the fuck? Ah d'accord, ça me dirige dans le sens opposé. Ah, c'est stylé, ça. Eh, imagine si on avait ce pouvoir-là. Ah d'accord, c'est pour ça le trophée. Parce qu'il y a... Oh putain! Il y a un trophée qui fait en sorte... Ah ben ouais, je l'ai pas. Qui dit en gros... ne touchez pas le sol. Enfin genre, accrochez-vous à 25 points. Sans toucher le sol! Ah ouais, mais là c'est foutu. Eh, hey, je me sens un peu Spider-Man, mais pas trop, tu sais. Ah ouais, mais là, il y en a plus, gros, t'abuses. En fait, il y en a partout, mais à la fois pas trop. En vrai.
Je sais pas, hein, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop hauts et qui vont pas hyper loin. Bon, j'essaie de faire le trophée et puis ensuite on continue. Je sais pas à combien je suis. Je commence à avoir un peu de difficulté. Putain, mais 25, c'est énorme en vrai. Surtout si c'est 25 différents, genre. Bah voilà, j'ai pas pu. Ah si, d'une traite! Trophée obtenu. Yes! Ça doit être un des trophées les plus durs du jeu, je pense. Pour vous dire, la névade d'être à fait. Mais je pense que je me ferai une seconde run en private pour vraiment aller choper tous les trophées parce que ça a pas l'air inaccessible quoi. Puis ça me ferait plaisir d'avoir un nouveau platine. Je veux dire, le jeu est cool. Le platine est abordable contrairement à des jeux où genre le défi c'est mettre 50 esquives pendant un combat. N'est-ce pas Batman Arkham? Bon, je raconte un truc qui a rien à voir avec le jeu. Mais qu'est-ce que là, cela ce n'est fait? Ah, je suis de retour à la maison. Renouveau. Oui, j'ai eu peur. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu très peur. Par contre, on est en combien d'FPS ici? L'amour crée les liens semblables à des fils de laine. Comme la laine, ces liens peuvent être fragiles ou s'en mêler. Mais quand on en prend soin, ils peuvent relier un être à un autre. En vrai, j'avais dit qu'on ferait peut-être une session de lecture. Eh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas regardé le cahier, hein. Et s'il n'y avait pas vraiment d'histoire, si ce n'est celle que... Bah, celle qu'on se crée au fil du jeu. Ah ouais, au fait, c'était le fil des saisons. Dernière feuille. Le passé peut nous aider à tenir bon. Il peut être une force et une consolation. Mais si on refuse de s'en détacher, il peut nous entraîner vers le fond. D'accord. Tout ça a été fait pour s'inspirer de lieux réels. Tout a une fin, un jour la machine s'arrête. Nous pouvons partager un bout de chemin, mais au final nous avons tous notre propre destination. Ouais. Ouais, je pense que en vrai je regrette un peu d'avoir oublié de lire ce petit. Bah, je sais pas comment on appelle ça. Ce cahier. Je l'ai lu ça. Chaque fin cache un nouveau début. La vie nous chuchote, nous chahute et nous cabosse. Mais elle ne... Attends. Mais elle ne nous brise que si on la laisse faire. Il faut toujours essayer, toujours se battre pour elle.
et j'appuie dans le mauvais sens. Ça me fait penser à un extrait de Rocky quand il parle à son fils. C'est une des scènes les plus ouf que je trouve dans l'univers du cinéma. J'ai jamais vu les films, hein, mais c'est une scène que j'adore, sans même avoir regardé l'œuvre complète. Eh bien. Eh, hey, mais en vrai, c'est une petite équipe, hein. Je vois pas une seule femme dans leur équipe, donc faudrait revoir ça un petit peu, mais. Ah, ils se sont vraiment inspirés. C'est cool, c'est cool. C'est bien propre. Ce que je regrette, c'est que les cinématiques soient vraiment genre 80 crans au-dessus de l'aspect physique du jeu. L'aspect des graphismes et tout. Ah bah on a raté la grand-mère. Bah c'était... c'est la première cinématique qu'on a ratée. Un bon remerciement, ok. C'est Khan et Malcolm Zeder. Il y a beaucoup de Zeder. Faut pas se boucher le nez, c'est des bonnes Zeder. Qui est doué pour les jeux vidéo. Ah, qui est aussi doué pour... Ah ouais, il y a vraiment une histoire, ça a l'air d'être assez familial en fait. Bah du coup, vu que j'ai pas suivi toute l'histoire autour du jeu, je passe un petit peu à côté, mais... Ok. A créé Yarni. Yarni. Yarni, ça me fait vraiment penser à un mot scandinave. D'accord. Je dis pas que je me tape le même générique, mais en toutes les langues. Ah, ça va, on peut rester assez rapide. C'est pas que j'ai pas de respect pour vous, tous les gars, mais et les filles. Mais voilà. Eh ben, j'espère que cette aventure vous aura plu. L'épisode est plus court que les autres. Mais c'est une fin d'aventure, du coup je m'imaginais pas à ce que le jeu soit forcément avec un boss final, tu vois. Genre là, la phase dans la neige et la lanterne, c'était un petit peu relou, mais largement surmontable, on l'a fait en moins de 30 minutes. J'espère que ce let's play vous aura plu. D'ici peu, on va se retrouver sur un autre que... sur un autre jeu, pardon. Sur un autre jeu que j'aime beaucoup et qui me met à rude épreuve. J'ai déjà commencé le let's play, les vidéos ne sont évidemment pas sorties, mais... J'espère que ça vous plaira tout autant que celui-ci, si ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche, ça me permet de rester motivé. C'est vrai qu'en ces temps difficiles, trouver une motivation à la fois pour se lever le matin et pour continuer les let's play, même s'il n'y a pas grand monde qui regarde, j'avoue que c'est assez, assez compliqué. Mais bon, il faut de la ténacité et puis un jour peut-être. Voilà, moi je vous remercie et à très vite. Ciao.